nous sommes de retour. Poing, poing. Nous sommes de retour pour... je sais pas... Massacrer le jardin encore une fois. Cette fois, on va se concentrer sur... Alors, j'ai fait un duvet frappé. J'ai pris mon masque à gaz. Donc, on va retourner dans la zone où il y avait... Donc... Il y a ça aussi qui est prêt, très bien. La zone où il y avait donc les abeilles, parce que je voudrais quand même récupérer possiblement le set entier, hein, évidemment. Le set entier des abeilles. Donc on va devoir aller en tuer un peu plus. Notre masse, elle est à peine à 7, enfin, elle est un peu basse en... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on y va. Donc, abeille, et après, j'ai pris le masque et gaz pour qu'on aille un peu farfouiller un peu à droite à gauche. Avec les punaises, là. On va voir si on peut combattre les punaises facilement au corps à corps avec le masque et gaz. Parce que je connais pas comment elles réagissent, en fait, au corps à corps. Donc, faudrait qu'on voit ça. C'est par là, je crois. Ouais, c'est par là. Donc, je voudrais voir ça. Qu'on apprenne un peu. Ah tiens, une nouvelle mission. On n'est pas allé récupérer notre nouvelle mission. C'est là-bas. Je vois bien une nouvelle armure. Genre une armure lourde, mais une nouvelle, ça serait sympa. Ou alors... Enfin, le mieux, ça serait un... ça serait de... un nouveau bouclier. Plastron coccinelle. Ah putain, on en a un en plus. Ça devrait se faire automatiquement, honnêtement. Fabriquer un plastron coccinelle. Ouais, mais bon. Ça m'embête parce que c'est un peu du gâchis, en fait. Surtout que c'est pas gratuit de faire les plastrons. Quel bordel ce truc. Quel bordel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord l'exploration ou on combat d'abord? Je sais pas trop. J'ai vu qu'il y avait des araignées mortes et tout. On peut peut-être y aller en fait. You could be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Ok. Est-ce que, du coup, ça abîme le masque ou pas? Masque à gaz. Ah, d'accord. Oh, il y a une araignée. Donc le masque s'abîme avec le temps. On va voir. Là, c'est pas mal pour récupérer quelques trucs. Oh la vache, tout ce qu'il y a en bas. Ah, après, on a... On a des... On a une arbalète. Il y a une plume juste en bas. Qu'est-ce qui se passe? Acarien? Ah non, c'est des mouches. Non, te mets pas accroupi. Pose de recherche. Oh mon dieu. Waouh, ok, d'accord. Ah
C'est fou ce truc. Donc ça, ça explose tout le temps. On peut les couper par contre. Est-ce qu'on peut les couper pour de bon ou pas? Si, on peut les couper pour de bon. Champignons brouillard. La moisissure. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le sol en fait. Qui m'a capté parce que. Même le moucheron il a plein de vie quoi, c'est ouf. Ok, plus de lecture. Ah, vous avez vu, on a l'effet d'un casque en fait. Ça c'est bien ça, d'un masque. Bon bah le masque à gaz ne s'abîme pas. C'est bon ça. Si on fait venir une abeille, vous croyez qu'elle meurt du gaz? Ce serait une chose à tester. Je vais voir si je peux pas faire venir une. Par contre, je voudrais bien récupérer la plume. Ah ouais? Je la vois pas, la larve. Évidemment. Ok. Bloqué. Prendre des dégâts ou pas? Putain! Fuck. L'endroit de la mort. On peut récupérer plein de trucs ici, hein. Il y a plein de cadavres de fourmis et tout ça. Ça saute et tout, hein, c'est... Une de moi.
Là. Le masque a été abîmé parce qu'on s'est fait toucher. What? Il nous faut la hache. Bon, nickel. Ah, c'est pas... pas le fun. C'est pas le Club Med ici, hein. Putain. Très bien. Donc du marbre, du quartz fragile. On peut prendre les deux, parce qu'on a plein de différentes choses. Faudrait que je jette des choses. Just like a fruit pounder. Ok, parfait. J'aime bien, on a la respiration du masque et tout ça. Et quoi, s'il se prend pour Dark Vador, c'est cool. Notre état est bon. Il y a elle là. Je donne un peu envie de vouloir tester, mais... Oh. Ça, il nous le faut, ça. Ah, c'est bien l'aventure dans le jeu. Putain, ça m'a fait des dégâts d'ici, quoi. C'est ouf. Je voulais le checker. Mon armure a pris cher, le masque et tout, c'est cool. Oh merde. Oh la vache, oh la vache. Ok, il y en a un peu beaucoup là par contre. Non, c'était pour aller quoi, pour faire quoi? Ce caillou là? Peut-être un truc important. Ou alors c'est du marbre encore qu'on peut pas utiliser pour le moment. Ah non, il y a des bonbons. Après là, il y a ça. La moisissure. J'ai envie de tester une coccinelle. Et je crois que ça va faire très mal. Ouais, on va éviter de tomber.
Putain, mais ça qui te qui se qui va sur ta base, mais ouais non, enfin tu pleures quoi, non? Non, mon Dieu, il y en a plusieurs. Non, mon Dieu. Est-ce qu'on peut la tuer avec... Ils sont en train de tous s'entraider en fait. T'inquiète pas qu'ils sont tous cinglés, mais l'entraide, ça ils connaissent, hein. Oh mon Dieu. C'est une catastrophe, du moins. Très risqué ce qu'on fait. On a combien? On a encore 10 flèches. Peut-être tuer le petit. Ah merde. Je lui ai mis du poison. On est trop pour que ça nous touche, je crois, mais ça va. Oi, 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 oi. C'est con parce qu'ils se font pas de dégâts avec les explosifs.
On est bon. Normalement, lui a mis le poison, je crois. Je sais pas après si le poison s'en va. Mais... Ok. Merde, j'ai pas vu le message. Insecte, je sais pas quoi. On a eu un message. Je crois que les insectes ont pas aimé. On va peut-être partir. Oh la vache! Les insectes ont pas aimé, on va partir. On va boire un coup. J'ai pas envie que ça vienne vers notre base. Truc comme ça, non merci, ça ira. On y était là-haut ou pas? Non. C'est quoi ça? Oh, y a des bombardiers morts et tout, ça tue. Après, c'est vraiment cool parce que ça permet de récupérer des ressources facilement, hein, des ressources de n'importe quoi en fait. Ah, ça par contre, je suis pas curieux en fait de voir ce que c'est. I see you. Ouais. Oh la vache. C'était là où on est monté la dernière fois? Je crois que c'était là. Ah, du coup... Ouais, Zachary est infecté. Ouais, bah, du coup on s'en fout. Très bien, le casque. Nice and safe. Très utile le masque à gaz du coup. Très utile. Très content du masque. Et après on a de la boisson aussi qui nous permet de faire filtre. Donc ça c'est surtout pour en gros pour garder notre équipement. Quoi. Oh. Je suis bloqué. Eh ben. Ouf. C'était une bonne aventure. Sympa.
C'est le... Ouais, c'est l'aigle. L'aigle. Le corbeau. On y retournera un jour. Cet endroit. Du coup, on n'a pas combattu d'abeilles. On le fera là. Bah, demain, en fait. Très bien. It's no women crime, but it's better on than le fera nothing. Demain. Quoi que... Ah oui, c'est les verres. Ça marche. Donc on va déposer tout ce qu'on a récupéré. Donc on a récupéré on a récupéré un peu de tout en fait. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi là-bas. C'est assez intéressant. Comme lieu. Mais c'est difficile. C'est difficile. J'avoue que solo c'est chaud. Solo c'est un peu chaud cet endroit. Notre équipement a fait un bon boulot. Mais ouais, faut faire gaffe parce que si on tue trop de la même chose, comme j'ai dit, hein, après ils nous attaquent. Et des machins explosifs dans ma base, dans ma petite maison, non, ça ira. Quoi. Je crois que ça ira largement. Les lances sont très bien. L'arbalète, elle est superbe. Des flèches. Alors, est-ce qu'on peut faire le set de l'abeille? Ah non, il nous faut du duvet. Ouais, si on, à la limite, si on avait fait qu'une seule lance, peut-être. Mais bon. Ça y est. Couleur d'abeille. Ouais, il nous faut plein de duvet. Il faut qu'on combatte des abeilles. Et on se lève. On a passé une nuit tranquille, en fait. Pas eu d'attaque, rien du tout. J'ai réparé quelques petites choses de mon inventaire. Je sais pas si la masse, non, le gourdin, c'est toujours intéressant de l'avoir sur soi. En tout cas, on est prêt pour repartir. On est prêt pour repartir. Donc on retourne au même endroit. On a le masque à gaz toujours sur nous. On repart au même endroit, on va se faire des abeilles cette fois. Et peut-être punaises. Peut-être des punaises aussi. On va voir ça un peu. Pom, 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 pom. C'est quoi qui est devant? C'est par là-bas. Un peu plus vers là. Faudrait mettre des repères un peu partout. Faudrait que je prenne le temps de placer des repères. Que je prenne genre un sac de trèfle, un sac de machin et tout ça là. Tous les ingrédients qu'il faut pour faire des repères, simplement. On a quoi là-bas? Let's see what's around here. Oh, il y a un truc à défendre, je crois, là-bas. S'il me voit pas. Oh. Mix air. Tu peux me le marquer sur la map?
veux pas me le marquer sur la carte? S'il te plaît? Parce que l'autre, il a été marqué. Ouh là, ça lag. Tu vois un peu ce qui se passe là? Bah ouais, ouais, du coup ça a tué toutes les fourmis. Ah bah nous on va se faire plaisir. On va se faire plaisir, ils sont en train de combattre. Faudrait que les monstres se coincent un peu moins. Alors je comprends que c'est grand et tout ça. Yes. Parfait, je comprends que ça soit grand et tout, mais... c'est quand même un peu chiant pour jouer. Ça. Ah, me dis pas que son corps, il est... Ah, ils l'ont peut-être déjà bouffé. Il est passé sous le sol son corps ou il a été bouffé? Tastes good. Bon bah je veux pas dire cool hein. Bon, on n'a pas eu les... On n'a pas eu la punaise en elle-même, mais bon. Pas grave. Là, je crois pas, en tout cas. Ah, si, 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 si. On a eu. Cool. Ah, on a eu 3 têtes. Nickel. Bah, moi, je suis tenté de faire ça, mais... faudrait pas mettre des défenses et tout, parce que c'est un peu la merde. Genre, si c'est les fourmis qui arrivent, à la limite, ça passe. Si c'est autre chose que les fourmis, c'est mort. On était déjà venu là. Oh. Ah, par contre, il y a autre chose. Ça va. On est bon, on est bon, on est bon. Et ils arrivent juste en dessous. Les catégories 2. Non, 3. Je sais même plus ce que j'avais fait des bombardiers là-bas. Je sais même plus ce que j'avais fait avec mes catégories. C'est quoi ça? C'est juste de l'argile. Ah putain, c'est moustique. Putain d'avion quoi. On est bon. Si c'est une punaise qui vient, c'est chaud hein. C'est con que tu veuilles pas me le mettre sur la carte. Putain. Ça lag, c'est trop chelou. C'est ça hein, qui fait laguer. Bon, on avait dit qu'on voulait tuer des abeilles. On a tué aucune. Et peut-être une punaise au corps à corps aussi. Vas-y, go, go punaise au corps à corps.
You could be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Ah oui, ça, ça fait mal, d'accord. Calmer. What the fuck, il m'a pété le casque. Ah. Il m'a... Putain, le masque. Il est méga fragile en fait. D'accord, oh, putain. Ouais, c'est bien pour l'exploration, pas pour le combat quoi. Oh, la vache. Putain, il m'a tapé, je crois, deux fois où je me suis pas protégé. Putain, pourtant il était bas en vie. Hein. On allait le défoncer. On allait vraiment le défoncer. Je suis deg. Bah merde alors. Ouais non, ça c'est la résistance hein, de l'armure en fait. Tout simplement, c'est juste la résistance de l'armure. Après si on fait que reculer, est-ce que ça passe? Bon, il fait des sauts énormes en fait, c'est ça le problème. Alors je sais pas si on peut... Bon, go. Est-ce qu'on peut manger? Just like a fruit pounder. Go abeille. Ah, je suis un peu deg. Ah, l'armure. Ouais, l'armure a souffert. Hein. Trop bas. Trop haut ou alors trop loin. Ah la vache. Fasse attention à son triple attaque. Ah, maintenant on les lance plus, hein, les lances. Hein. Évidemment, maintenant on fait un peu plus attention. Là, ça vole moins. Ça vole moins. Un seul duvet. C'est une horreur à farmer. On tire sur le corbeau pour voir ce qui se passe. Macha, il va venir, il va nous one-shot. Voir mon armure et le bouclier. Ouais, c'est un peu la merde. Thank you.
casser le bouclier. Bien. Oh, yoyoyoyoy. C'est bien, ça one shot. Bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas un charançon pour se refaire un bouclier. Après, je peux peut-être jouer sans. Hein. Mais à la limite, ça serait mieux avec la masse. Mais honnêtement, je crois que niveau dégâts... C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que niveau dégâts... La lance est rapide et tout. Et puis en fait, on a des critiques et tout. Je crois que c'est mieux. C'est devenu mieux que notre masse en fait. Pour être honnête. Ouais, point de vue vitesse critique, je crois que ça fait plus de dégâts que... Merde. Tiens, je vais repasser par là, en fait. Je vais repasser par là. La zone de recherche, c'est mieux. Parfait, viens ici toi. Weevil snuffling along here. Puis je crois que le gros problème aussi qu'on a. C'est quoi pour le réparer ça? Oh mon dieu. Le gros problème aussi qu'on a, c'est le coup du. De l'endurance. Faudrait une. Une armure moyenne à la limite. Genre l'armure de l'araignée, ça se passe très bien si on utilise la masse. Parce que notre endurance remonte très vite à chaque fois qu'on fait des pauses. Donc ça, c'est bien. Sinon, non. Sinon, c'est la merde. Le mieux, ça reste la lance pour l'armure lourde. Lance ou épée. Lance ou épée. Chaque fois, on perd quasiment toutes nos flèches, quoi. C'est abusé. C'était con, je vois pas pourquoi j'ai tiré. Ah, là, c'était bien. Tu vais un vache quoi, c'est ouf hein. Non, tu vas mourir. Non non. Bah si, mais pas du gaz au moins. Par contre notre équipement va casser. Hein. Si notre équipement casse pendant le combat, je crois qu'elle nous one shot.
Après, on a beaucoup de vie, hein. On a deux fois deux bonus. Ah oui, mais on a plus de soins pour rien. Ah bon, on va rentrer. Ouais, c'est fini, c'est bon. On a bien travaillé. On a bien travaillé. On a appris des trucs. Comme quoi, le masque se casse très vite. Nice and safe. Un peu déçu de ça. On a récupéré énormément de matériel de fourmis aussi, parce qu'il y a eu un combat avec des punaises. Avec une punaise. Ça, c'était cool, ça. Où est-ce qu'on peut aller après? Combattre encore un peu plus d'abeilles. Faut qu'on voit pour les duvets, mais je crois qu'on en a récupéré que 3. C'est pas vraiment... c'est pas vraiment bien. Là on est bien avec le... Avec l'eau, honnêtement. Là, on est très bien avec l'eau. On va regarder ce qu'on peut construire. Alors. D'abord, on répare ça. On répare ça. Les mandibules. Ici, nickel. Voyons voir. Alors, on a les lances. Je suis content, c'est très bien. Le gourdin s'efface. Représailles en vue. Ok. Ben voilà, vous voyez la représaille maintenant. C'est des putains d'araignées. Très mal. Oh là là. Oh là là. Chez moi ici. C'est chez moi ici. Chez moi. Qu'est-ce qu'elle m'a cassé? Oh la vache.
Bon bah ça les calmera. Ouais, bon bah du coup elles ont pas aimé. Ça c'est les représailles que j'attendais en fait, depuis tout à l'heure, depuis la dernière fois, depuis le labo. Ouh, putain, chaud. Chaud, chaud, chaud. Très bien. Fais-moi un truc ici, juste au cas où. Alors, on doit faire repère en placement. Est-ce qu'on doit faire des un blastron de coccinelle? Ok, on va le faire. Blastron de coccinelle. Voilà, 750. Ouais, ça vaut le coup. Voilà. I'm all geared up. Ça vaut le coup. Celui-là, on va le mettre dans le coffre. Eh ben putain. Donc ouais, faut faire des meilleures défenses. Attends, c'est parce qu'il y a des... Ça, ça va m'emmerder, par contre. Merde. Ça, ça va me foutre dans la merde. Peut-être que ça soit... attaché à un autre en fait. Non. Non, je sais pas. Je peux pas le reconstruire. Merde. Ça, ça me fait chier. On peut faire un support comme ça, mais ce support-là, il va pas passer. Pourquoi? Pourtant, il n'y a rien par terre. Hop. All right, Shadows. What you got now? Il n'y a rien par terre. Ça? Non, ça m'étonnerait. Non. Merde! On va se débrouiller. On va se mettre comme ça. Très bien. Et ben, vous avez vu maintenant les représailles? Je pensais qu'on allait se taper des représailles de tout, mais sauf araignées. Enfin, je savais que les araignées avaient pas... elles voulaient qu'on s'en aille, on s'est en allé. Après, on est revenu, on a tué encore quelques-unes, j'avoue. Mais... je pensais que ça allait être autre chose, quoi, mais non. Par contre, c'est violent. Vous avez vu, c'est très violent. S'il casse tous les coffres et tout, il y a tout qui est par terre et tout. C'est une catastrophe. C'est une, vraiment une catastrophe. Putain de merde. Qu'est-ce que j'ai cassé? Après, j'ai l'impression qu'elles font pas trop mal au tout ce qui est support et tout, donc ça va, c'est sympa, c'est bien. Encore heureux. Nickel. Mais faut qu'on remette des défenses. Ah bah, c'était pas prévu ça, putain. Vraiment pas prévu. Ah, c'est impressionnant. Je suis content. C'est bien passé.
des aiguilles, des tiges, de la sève, de la corde. Tige, sève et corde. Donc on va reconstruire ça. On va reconstruire ça doucement et je crois que genre peut-être pour le prochain épisode, je vais devoir augmenter les défenses. Parce que là, c'était quand même limite. Là, j'ai dû en fait. Le problème, en fait, c'est que je dois trop me lancer moi-même pour bloquer les bestioles qui attaquent, en fait. Et ça, c'est un problème. Sinon, il n'y a rien. Je sais pas ce que ça sert. Ça. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Il n'y a rien d'autre qui a été abîmé. Je pense pas. Mais ouais, plus de défense. Beaucoup plus de défense. Je pensais qu'on allait avoir que des petites. Et on a eu quand même une grosse. Hein. Donc, ouais. Il nous faut au moins deux lignes de défense tout autour. Ça, je le ferai au prochain numéro. Très bien, je suis très content que ça se soit bien passé. Ce qu'on va faire maintenant... il est quelle heure? Il est 22h. On peut dormir, on a 2800. On va aller récupérer une autre mission. On va aller récupérer une autre mission. Nice and safe. Faut que j'aille farmer un peu et peut-être que je refasse un peu la maison. Enfin, refaire la maison. Non, honnêtement, non. Parce que j'ai pas envie... De toute façon, ça va pas être notre camp genre définitif. Donc, ça sert à rien de le refaire parfaitement bien. Parce que plus on va débloquer des choses, et mieux ça sera. Donc, je veux pas faire ça maintenant. Je veux pas refaire celui-là. Par contre, peut-être des meilleures défenses, à la limite. Des meilleures défenses. Par contre, on a eu 2800. Ça, c'est cool. Économie en bandage, ça devient un peu tentant. Ou alors des échelles, bêtement. Alors, échelles ou fortifications. Des murs de planches d'herbe renforcées de tiges d'Adventis. Nous, on a quoi comme défense? Après, là, on a une palissade, plancher de tiges. Là, on peut tout faire en tiges, en fait. Parce que placer un point de repère dans une falaise de la planche. Ça marche. Parce que nous, si on regarde là, en mur, on a ça. On a ça. Mur de tige. Après, en sol, on a que ça. Donc, le sol, ce serait bien de l'avoir en tige. Après, je peux détruire et changer la cabane et la faire en tige. C'est une idée aussi. Ça me fait un peu chier, quoi. Mais... Fortification. Donc, ça serait fortification ou... Ouais, fortification. L'échelle, on verra ça plus tard. Mur robuste, porte en palissade, plancher de tige, demi-mur, pilier en argile. Ouais, il y a des trucs intéressants. Mais ouais, vous avez vu la lance, hein. La lance a fait vraiment le café. Parce qu'à un moment, je voulais sortir la masse. Mais honnêtement, la lance a fait très mal. Tape très vite. Et je peux toujours bloquer au bouclier. C'est... Il n'y a pas mieux pour le moment. La masse, on l'abandonne. C'est con, hein. Mais pour le moment, la masse... Ça, c'est la loue, ça. Mais la masse, pour le moment, on l'abandonne.
On l'utilise. Ça dépend pour des trucs. Genre, si c'est des coccinelles, on les tape. Et sinon, on est... On va faire des soins. Ah, on peut faire, on peut utiliser ça. On en a plein, ça sert à rien, ça sert pas à grand chose. Je regarde des choses qu'on a plein et qu'on sont faciles à faire en fait. Genre les... La viande de fourmi, enfin les morceaux de fourmi. Morceau de fourmi, on n'a pas grand chose à faire. Nickel. Voilà, défense, plancher en herbe. Ouais, on a quasiment le double quoi. Ouh, c'est plein de cordes, plein d'adventices quoi. Ah, par contre, c'est, dans un sens, c'est peut-être un peu plus, plus facile pour moi. Ah, putain. Ça, par contre, je crois que je sors de la maison et je me casse. Hein, parce que ça, elle va tout me casser. Elle va tout me détruire. Palissade, un rempart, seul étage, tige adventice, deux fois plus robuste qu'un mur d'herbe classique. Ah, une palissade, ça pourrait être pas mal, ça. Porte de palissade. Elle se balade vachement proche de notre base. Hein. Je crois que c'est le moment où elles sortent, les loups là. Pendant un petit moment, on va être bloqué avec les loups là. Ça va être relou. Bref, je disais, peut-être une palissade tout le long, tout autour. Ça peut être intéressant. De fabriquer ça. Et que ça fait une bonne défense. Et c'est pas très compliqué à faire. Enfin des tiges. Ou alors enfin quelques murs. Parce que bon c'est quand même beaucoup de tiges. Hein, mais quelques murs. Porte robuste. C'est pas mal. Genre la maison on la touche pas. Mais on fait tout des trucs autour. Quoi. Fondation gravillon. Ouais, on peut faire des trucs parfaits. Un pilier solide en argile. Gravillon. En bois. En tige. Aussi j'aime bien parce que le fait que chaque ingrédient c'est dans la composition du enfin, on le voit en fait dans ce qu'on fabrique, genre la tige bah, c'est la tige, elle est éclatée avec une corde au centre et un caillou là au centre aussi, donc c'est vachement sympa je trouve. Chaque chose c'est genre là c'est une tige coupée en fait le long. Mais c'est une seule. Il y a plein de trucs comme ça et je trouve ça vraiment bien fait. Je trouve ça vraiment cool. Ils ont bien fait les choses. Le problème c'est qu'elle, elle va tout me péter. Hein. Si elle vient dans la maison, au bord de la maison, elle va... Et qu'elle commence à taper, elle va tout me casser. La loup. Bon, on va aller dormir après ces aventures. On va regarder déjà pour l'équipement de l'abeille. Alors, je vais voir un peu. Masque d'abeille, on peut le faire. Oh là là, c'est 5. Rien que pour le masque. Là, c'est 4. Donc, il nous en faut déjà 4 de plus. 4 et 8. Il nous en faut 8. Ah ben putain. Ah non, non, les jambes, on n'a pas besoin de le faire. Non, parce qu'on les a déjà. On a les autres, nous. Donc, à la limite, on en a 4. À farmer de plus, ça marche.
Donc on va farmer 4 abeilles. Enfin, 4 pollens. C'est du pollen? C'est pas du pollen. Si, c'est de la touffe d'abeilles. On va faire des flèches. On va aller en farmer 4. Et après... et après, on verra. D'accord. That was refreshing. Vous imaginez si j'avais pas mis de défense, putain. Allez, 4 abeilles, c'est parti. Tu vois mon équipement? Ça va, on a tout réparé. On est nickel. Et après, une fois qu'on aura le set d'abeilles, je pense pas que je vais le faire en vidéo. Enfin, j'en sais rien, ça dépend. Mais il faudrait qu'on tue une autre loup pour pouvoir faire le nouvel arc qu'on a là. L'arc insecte. Et si on fait ça, on va faire arc et le set abeille. Ça peut être pas mal, j'ai envie de tester. Allez, c'est parti, on va prendre ça. Chow down. On est bon sinon. Ah oui, il y a ça, putain. J'ai envie de la lancer ma lance, hein, mais bon. Ça c'est, j'ai fait de la merde. Oh, 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 oh. Je t'ai monté dessus. Ok, 2. Ça va. Le bouclier est presque mort. Ah putain, mais j'ai... You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Le bouclier est presque mort. Encore une fois, faudrait qu'on teste. Hein. Genre, est-ce que les ennemis se prennent des dégâts dans le gaz? J'ai envie d'aggro la coccinelle et aller dans le gaz, voir si ça marche. Va falloir qu'on tue des coccinelles aussi. Ouais, va falloir qu'on tue des coccinelles parce qu'on a presque plus de bouts de coccinelles. Ok, nickel. Il y a plein de raccourcis aussi dans le jeu. Hein. Vous avez vu quand je switch d'armes et tout maintenant? Ça, c'est vraiment cool. Si vous appuyez sur R sur un objet, vous allez directement dans l'option réparer.
Il y a plein de trucs, hein. Il y a vraiment plein de trucs. Le seul truc que je fais, moi, que les gens, la plupart du temps, font pas, se font pas vraiment chier, en fait. Oh, c'est pas une araignée. Une araignée contaminée, ça. Le truc que les gens font pas, c'est à la limite changer... Oh, merde. Changer les... pour les chaussons, là, pour courir l'eau vite. Mais bon, enfin, honnêtement, je trouve ça vraiment utile, quoi. Ça vaut bien la seconde que je mets d'aller dans le menu, quoi. Honnêtement. Ça vaut largement, tellement bien. Oh! Sérieux, ça a pas touché? Je crois qu'on est trop loin là. Okay. Épée pour le poison, comme d'hab. Elle est toujours empoisonnée, je fais pas vraiment attention à sa vie en fait. Vu qu'elle disparaît sa vie de la plupart du temps. Ouais, je crois que le poison reste pas. Oh putain, mais qu'est-ce que t'es relou, toi. Je vais la lancer, la lance. Ou pas. Un seul, fais chier. Ouh, elle était relou, elle. C'est bien relou. I'm not picky. Non, j'ai fait de la merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est point grave. On les a tous utilisés, presque tous. On en a utilisé 6 des trucs de soins. Il nous faudrait des potions de soins. Hein. Il nous faudrait vraiment des potions de soins. Ouh là là, tout ce qu'il y a. Je sais pas. Genre, on en touche une au hasard. Je me demande si ça peut nous attaquer, la base. Mais ça serait un peu embêtant. Ceux qui volent. Après, elles ont pas l'air de faire très très mal. Là, j'en sais rien. Oh, vas-y, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas à manger. Enfin, quoique si, mais pas pour toi. Nos régènes de soins, régénération, la ceinture continue. Encore une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Let's see what's around. Ah, c'est plein de lits de lucioles.
trop bas. Bon, par contre, là, ça commence à me gaver. Je crois qu'il doit rester 10 secondes à peu près le poison. Ah putain, quand elle reste près, la lance elle fait mal, la vache. La façon de se mettre des bandages, ça me rappelle, je sais pas, genre PUBG ou des jeux comme ça, en fait, des Battle Royale. Dans un sens, je kiffe, en fait. Je trouve ça vraiment fun. Ok, nickel. On a eu un dard aussi, c'est bien. Je sais pas, ça me rappelle trop PUBG ou des trucs comme ça. J'ai vraiment l'impression de faire du Battle Royale quand je mets du bandage. J'adore cette animation, j'adore ce truc. Je sais pas pourquoi, c'est tout con, ça doit être genre un truc mental qui se déclenche dans ma tête en disant que ça me fait plaisir, je sais pas. Bon, on a ce qu'on voulait. Peut-être qu'on peut passer par là vite fait pour voir s'il n'y a pas des cadavres de je sais pas en fait, un peu de tout. Faire gaffe à ça. Mais genre, elles perdent de la vie ou elles se font tuer par les trucs? Ouais. Une plume juste là. Ah, il faudrait qu'on fasse la L. Si. Désolé, mais... Elle la régène. Sonner bientôt. Ok, très bien. Ok, cool. Je crois qu'elles sont peut-être résistantes à la... aux dégâts des stocks, il faudrait que je regarde leur information. Parce que j'ai trouvé que la lance faisait pas trop de dégâts là, comparé à tout le reste. Comparé à tout le reste, ouais, on a eu 3 morceaux, c'est très bien. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais.
Ah, le point faible, c'est les jambes, d'accord, ok. J'ai vu encore des trucs en or, genre j'ai vu les charançons en or à un moment. Donc d'accord, les points faibles, c'est les jambes. Je savais pas. Ouais, par contre, elle aime pas le concassage, le frais. Concassage, j'ai pas. C'est quoi le concassage? Concassage, c'est ça. C'est quoi? C'est les marteaux? Concassage. Pour ailler permis de transformer les gros morceaux en petits morceaux. Ouais, les gros marteaux, quoi. Genre ça. Non, ça, c'est une hache. Ça. Mais du coup, la masse, c'est quoi comme dégâts? Le gourdin. Je pense que c'est la même chose. Hein, parce que vu les dégâts qu'elle prenait, je pense que c'est. Il n'y a pas l'icône. C'est sûrement un oubli. Mais c'est sûrement ça. C'est sûrement pareil. De toute façon, ça serait logique. Marteau. Marteau gourdin, c'est la même chose. Hein. Marteau gourdin, c'est la même chose. On va réparer ça. On va tout ranger, on va faire le. Encore des trucs qui suicident. Ouais, fourmis encore. Faut qu'on répare nos lances. Content de ma petite maison quand même. Faut pas dire. Alors, fais voir un peu. Alors déjà, je voudrais réparer nos lances. Parce que ça va faire chier si elles cassent. Alors, fais voir un peu comment on les répare. Épines larvaires et. Ah, tu fais d'abeilles, putain. Ah oui, on a aussi ça. Ah, fais chier. Je vais oublier sinon les molaires. Enfin, quoi qu'on n'a pas besoin pour le moment. On va attendre d'en avoir deux. De chaque. Ouais, c'est pas grave. Bon, les lances, on a un problème. Il faut du duvet. Bon, d'abord, on va faire, comme j'ai dit, l'équipement. Je m'en fous, je veux l'équipement. Donc, le masque. Les épaulettes. Et après, les jambes, on les a. Ah, il me faut les réparer. Oh, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. Où il faut les réparer. Oh yes, c'est que du cuir pour les réparer. Ça, c'est bien ça. Je suis sûr que ça, il faut du truc d'abeille. Je suis sûr qu'il faut du truc. Du pollen. Pas du pollen. Machin, quoi. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Alors. Armure légère. Oui, ça, c'est. On s'en fout. Alors, c'est quoi ça? Étourdissement de l'arme. Inflige des dégâts d'étourdissement à la cible. Et c'est tout. Ah, je me demande ça. Oh, peut-être que ça va pas ensemble. Merde. Pourtant, c'est le même set, hein. Parce que là, il n'y a pas de bonus, en fait. Il n'y a pas un bonus de 7. Donc je suis en train de me demander, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les trois parties? Les vraies trois parties. Merde. Donc il faudrait encore aller farmer 4 duvets. Fait chier. Ça m'embête ça. Ouais, je pense qu'il faut vraiment trouver les pourrissantes en fait.
Bon. Bon, étourdissement à l'arc quand même, c'est bien. Ah, étourdissement à l'arc, c'est pas mal. Bon, chasse au loup. Chasse au loup pour avoir ce qui nous manque pour faire le super arc. Je crois qu'on va faire ça. Je crois que je vais dormir. On va encore attendre un peu. On va dormir et puis on va chasser le loup. Ah, ça me rend fou, quoi. Et on va faire ça à l'arbalète. Bon, je vais essayer de... Je sais où elles sont, de toute façon. Il y en a aux chênes. Il y en a un peu partout, de ces saloperies. Donc, on va essayer de se placer à un endroit et d'utiliser les flèches. En théorie, avec l'arbalète, ça devrait bien passer. Hein. Flèche. Tiens, il faudra des aiguilles de chardon. Et après, on fait celui-là. L'arc insecte. Et là, avec l'équipement, ça serait sympa. L'équipement, ça serait sympa. Bon. On n'a pas une qui se balade. Non. C'est jamais. Bon, on va dormir et on va chasser le loup. Je vais regretter ma décision. Non. Ok, donc on est là. On est pile devant le chêne. Hein, on connaît cet endroit. Et vous voyez ce qu'il y a là. Quoique. Ah merde, c'est juste un bout de bois. Non, c'est pas un bout de bois ça. Oh la vache, elle arrive. Alors, je crois qu'on va faire ça pour être plus rapide. Et on va lui tirer. Ah la vache! Lui tirer dessus. Tu fais peur, honnêtement. Genre niveau horreur, t'es à 12 sur 10, honnêtement. Bon après, niveau cerveau, c'est pas trop ça. Je crois que le vent, c'est un... Ou alors on a fait un critique. Ça va, on a 43 flèches, donc c'est bon. Vous voyez, là, ça peut être intéressant niveau flèche étourdissante. Qu'est-ce qu'elle est rapide. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est rapide. Bon après elle est un peu teubée. Mais en fait. Putain elle est. Ah oui, elle peut être étourdie, c'est vrai que j'avais oublié. C'est l'arbalète. Pas mal. L'arbalète étourdie. Après, tout ce qui est un peu gros et tout, ils ont du mal à se déplacer. Hein. Mais c'est le jeu qui veut ça. Ouais. Il va falloir une petite mise à jour. Je crois que c'est surtout la branche qui la gêne. Parce que normalement, elle peut faire des bonds. Elle peut nous sauter dessus, en fait. Je regarde si l'autre vient pas, parce que sinon... Par contre, ça qui m'attaque la base, je sais pas. Je crois qu'on dit adieu à la base, quoi. Ah, il y a
il en faut beaucoup quand même des flèches. Ouais, bah, putain. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Même mort, c'est dégueulasse. Même mort, c'est dégueulasse. Bon, ça va, on a récupéré quasiment tous nos flèches. C'en était pas une en fait, c'est un bout de bois ce que je regardais. Okay, très bien. Du coup, j'ai bien envie de regarder. Je crois qu'on avait vu, on en avait vu deux. Ah voilà. Là, il y a des pierres. Il y a un mur à casser là-bas. Ouais. Après, on pourrait tenter la deuxième, hein. Mais tuer deux en une journée, c'est pas trop, hein. Parce que j'ai pas envie qu'on ait des représailles. Hein. Là, ça serait un peu catastrophique, les représailles. Alors, en tout cas, on a récupéré que ça, je crois. Même pas de venin, rien. Ouais, je suis un peu déçu. Genre, même les vers qui vont dans le bois et tout, c'est pas normal. Non. Bon, bah voilà. On a fait notre truc. J'ai bien envie d'aller tester la deuxième. Hein. Donc on peut faire notre arc insecte. Donc si on regarde les dégâts, ouais, c'est le double, hein. C'est le double, hein. Facilement le double. Nickel. Arc insecte. Ah, c'est bon. Bon, bon, bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ok, un truc qui s'est tué. Il faudrait que j'aille farmer encore des abeilles. Ah, c'est pas le plus fun, honnêtement. On en a déjà fait un peu trop. Bon. Je vais peut-être vous épargner ça. Ouais, on va s'arrêter là. Donc on a un arc. L'arc insecte, voilà, maintenant ça c'est bien avec l'équipement de l'abeille. Parce qu'il fait très mal et bon, on a de l'étourdissement à l'arc. Est-ce que c'est mieux l'arbalète ou l'arc insecte ? Les dégâts se valent hein, maintenant. Les dégâts se valent les deux. Je dirais que l'arc insecte est peut-être plus intéressant maintenant pour nous. Parce qu'on peut tirer plus vite. Je dirais. On peut tirer nettement plus vite.
Mais je crois qu'il prend toute sa splendeur au niveau du set de l'abeille. J'avais fait plein de viande et tout pour le combat si jamais il y avait un problème. Au final, ça sert pas à grand chose. Mais ouais, il va falloir encore farmer de l'abeille. Ça fait chier. On va s'arrêter là. La prochaine fois, je sais pas trop ce que je vais faire. Comme j'ai dit, je vais farmer un peu des ressources qu'il nous faut, un peu à droite à gauche. Rien de très fun pour le moment. Et après, il faudrait aussi que je mette des défenses, des meilleures défenses. Pour notre maison. Genre mettre des murs un peu dans le périmètre. Je crois que ça serait intéressant. J'ai remarqué que les bestioles, je crois qu'elles arrivent souvent de ce côté-là. Donc peut-être mettre un mur. Enfin, j'en sais rien en fait si ça arrive vraiment que de ce côté-là. Mais mettre un mur, ce serait peut-être bien. Genre ça. Genre une palissade. Genre des palissades. Pour défendre la maison. Ça serait intéressant, je pense. Je sais pas comment je vais les mettre, par contre. Et il faudrait faire des entrées et tout aussi. Oh, c'est la merde, quand même. Ça va être une putain de farm de ouf, quoi, encore. Porte de palissade. C'est quoi, c'est un portail? Ah, on peut en mettre deux. Oui, ça ferait portail, quoi. Ça peut être intéressant. Genre une palissade et on met de la pierre par terre. Bon, par contre, ça me fait chier, là, ces cailloux, là. Ça, c'est le seul truc qui m'emmerde. C'est ça. Et en plus, ça gêne les trucs que je mets par terre. Parce que ça... À chaque fois, ça met, genre, je peux pas le mettre ou je peux pas le rapprocher et tout ça. Mais ouais, ça pourrait être sympa. Genre, je mets des pierres un peu par terre, là, tout le tour. Comme ça, ça fait... Comme ça, les plantes reviennent pas. Et je mets des palissades autour. Et on garde la maison comme elle est, comme une petite maison en feuilles, quoi. Pas besoin de faire tout en bois, tout super, super high-tech, quoi. Je l'aime bien, ma petite maisonnette. Ma première, elle est cool. Elle est très mignonne. Ça sera tout pour cette fois-là. À la prochaine, je vais aussi, comme j'ai dit, farmer un peu plus d'abeilles. Faire la troisième partie du coup en abeille normale, pas pourrissante, et on verra si ça débloque le bonus du set. J'imagine que oui, ça va débloquer le bonus du set comme ça, parce que c'est pourrissante et normale, c'est pas la même. Donc ouais, donc ça voudrait dire qu'on peut peut-être trouver trois parties en fait, enfin plusieurs parties à chaque fois d'un set. Ouais. Et l'épée, elle est... faut que j'utilise plus l'épée, parce que c'est vrai que la lance, la lance, ça fait cher, en fait. Ça fait cher. Alors que l'épée, elle est facile à réparer. Donc, ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. J'adore ce jeu. Ce jeu est vraiment cool.